La catégorie des monospaces urbains est en pleine ébullition avec l'arrivée du Ford B-Max et ses portes coulissantes sans montant central. Chez Citroën, le remplaçant de l'actuel C3 Picasso est déjà en chantier, alors on a choisi de ne pas trop dépenser pour ce restylage de mi-vie. Outre de nouvelles selleries, une caméra de recul et quelques détails de style, le nouveau C3 Picasso se reconnaît à son bouclier avant redessiné, doté d'une calandre à double barrette, de feux de jour à LED, de feux anti-brouillard éclairant désormais les intersections. Pas de quoi pavoiser, d'autant que Citroën n'officialise aucune nouveauté technique. Pour sûr, la concurrence va être rude.